Allez, ma deuxième victime. Et puis après j'arrête parce que c'est 10 h du soir, bon sang, j'ai pas vu le temps passer. Ma deuxième victime, c'est la Fnac de Lausanne en tout cas. Depuis quelque temps, ils ont un magnifique Apple Shop, c'est-à-dire qu'il y a une zone délimitée dans le magasin où il y a tous les trucs Apple, donc ça ressemble presque à un mini Apple Store, hein. C'est très très joli, il y a le plancher en bois, il y a les tables en bois à la Apple avec tous les trucs dessus. Bref, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, alors c'était lundi. Lundi, eh ben, je remarque qu'il y a un faux contact dans mon chargeur de MacBook. Un faux contact. Genre, c'est branché, mais ça ne charge pas. Je dis bizarre, 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 je touille un petit peu. Puis, ouais, et faux contact, quoi. Je dis, mais oh ben merde, ça tombe mal. Ouais, bon, j'arrive à le faire marcher en bougeant un peu le câble. Milieu de matinée, tout d'un coup, j'aperçois cette partie-là. Je vous montre. Vous voyez, cette partie-là. Et puis, en fait, ici, là, c'était en train de fondre. Je dis, oh, bon, on arrête tout de suite. Alors, j'ai débranché. Et puis, je dis, bon, bah, ma machine est sous Apple Care et tout. Faut que j'aille chez un revendeur Apple et puis on va me changer ça. Mon revendeur habituel, Mémoire Vive, était fermé parce que 31 décembre, oui, 31 décembre, voilà, fermé. Donc, quelle est la deuxième chose qui me vient à l'idée comme revendeur Apple? La Fnac, parce qu'ils ont ce magnifique Apple Shop. Bon, je vais là-bas. Et puis, alors, devinez quoi? AppleCare, oui, mais alors pour autant qu'on ait acheté ces produits Apple à la Fnac. Alors là, très franchement, attends, mais AppleCare, je croyais que ça voulait dire que si j'ai l'AppleCare, je peux aller chez n'importe quel revendeur Apple et puis on va s'occuper de moi, non? Eh ben non, pas à la Fnac. Dommage, hein?